Salut, c'est Last Angel. Alors, on se retrouve donc pour cet épisode 5 de Dead Space. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Et voilà, nous sommes arrivés à bon port. Et qu'est-ce que ce level nous réserve? Donc, alors, est-ce qu'il y a des trucs qui traînent déjà d'entrée? Toujours rien. Tu vas voir, merde. Isaac, je commence à sentir l'air contaminé d'ici. Ça se répand plus vite que ce que j'avais prévu. Je fais ce que je peux pour contenir, mais ça ne va pas nous sauver longtemps. On doit éjecter ce truc du vaisseau. Les produits dont tu as besoin se trouvent au labo. J'ouvrirai la porte quand tu y seras. En munitions, on est un peu short. On va aller voir son labo, là. Alors donc là on est à peu près à la moitié du let's play puisqu'il y a 12 levels et de mémoire. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était il y avait une ombre là-bas. Le grand ordre naturel. Êtes-vous ignorant comme les autres? Il y a toujours ces espèces de voix qu'on entend là. Alors On dirait que quelqu'un a tout verrouillé sur ce pont. Tout récemment même. On ne doit pas être seul à bord, après tout. Quelqu'un ne veut pas qu'on accède à ce secteur. Ouais, donc je disais, on est presque à la moitié du let's play, et de mémoire, on ne doit pas être loin d'un gros boss. Donc il va falloir préparer... Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, d'accord, saloperie. Alors, bouge pas comme ça, toi, bouge pas. Ne bouge pas, là, ouf tes trucs. Voilà. Mais non, ferme pas. T'es con, quoi. Voilà, hop, voilà. Je commence à les... Je les aime toujours pas, mais je commence à les maîtriser mieux qu'au début. Je les ai jamais aimés. Ah putain! Tu vois, t'en parles et puis tac, t'en as un autre qui arrive. Allez, crève-toi. Toi, prends ça dans ta gueule aussi. Allez, voilà, allez, gazé. Bon, ça, c'est fait. Ouais, donc je disais, il va falloir qu'on se prépare pour le boss. Donc, je sais pas si c'est ce niveau-là ou le niveau d'après, je sais plus. Enfin, je sais qu'il y en a à peu près à la moitié. Parce que jusqu'à maintenant on avait des trucs un petit peu costauds, mais c'était pas des vrais boss, c'était des mini boss on va dire, relou mais mini boss quand même. Et donc il va nous falloir un paquet de munitions de mémoire, donc il va falloir qu'on commence à stocker ça, donc qu'on se débrouille pour récupérer du pognon, soit en vendant salaire clean, soit en vendant pas mal de choses, soit en récoltant pas mal de pognon, soit en économisant les munitions, enfin bref, on va voir comment ça se passe, mais en tout cas, il faut qu'on stocke de la bastos. Donc, là, normalement, on doit avoir un point de force à dépenser. Qu'est-ce que c'est que ça? On verra quand on y sera. Alors, donc l'armement, c'est pareil, il va falloir qu'on fasse évoluer aussi. Donc, on va... accentuer un peu les points sur l'arme d'assaut parce que le cutter on l'avait bien monté jusque là. La stas ça devrait être suffisant pour l'instant parce qu'on avait quasiment travaillé que sur elle. Et de mémoire on avait mis aussi un petit peu de... pas grand chose sur l'armure mais un petit peu. Tiens on va prendre ça et on va aller voir ce qui se cache là-haut. Alors qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Ah mais si on en avait eu un là... C'est le truc qui crache le machin, là. Voilà, c'est ça. Ok, prends ça. Allez, crève. Ouais, voilà, ça c'est bon. Voilà, avec le truc explosif, là, ils font pas long feu, sinon ils sont chiants. Je sais pas si vous vous souvenez, ils ont des espèces de bras, là, qui vont dans tous les sens et ils balancent des trucs. Là. Voilà. Alors, on va monter. Petit coup de stas là-dessus. Ah ah ah, il y a du monde. Ah merde. J'aurais pu faire les deux en même temps, mais ouais, de toute façon ça va servir à rien. Bah tu vas les ouvrir tes trucs toi. Allez, voilà, c'est bon. Bouge. Voilà. Voilà. Merde. On doit pouvoir y arriver quand même. Merde, j'ai été con.
faire gaffe qu'il repart pas à toute vitesse le truc, parce que là je suis mal. Allez, 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 laisse-moi te voir, c'est bon. On a eu chaud, il était moins. C'est de sa faute, allez. Cadavre. Y'a rien qui traîne. Un peu dans tes poches, non, y'a rien. Bon, on va prendre de la stase. Et hop là, voilà. Tu te rapproches du laboratoire. Quand tu auras ce qu'il faut, tu devras aussi trouver un extrait ADN du tissu organique. Je vais fouiller les registres. Et une petite sauvegarde comme d'habitude. Ça c'est fait. Ah, j'avais fait un peu le ménage dans les sauvegardes parce que. Voilà. Alors. Tac. Alors, il y a quelques dalles. On sait jamais. Pardon. Journal de bord, docteur Chalus Mercer. J'ai enfin un cobaye pour mes expériences. Nous allons voir si ma théorie de la régénération est vraie. Le manque de moyens est tout le monde plaît et je suis heureux d'avoir enfin ce patient. Il me croit, docteur Kyle. Il place sa vie entre mes mains. Il sait que je connais cela. Il comprend bien ma démarche. Le front est propre et dégagé. Je vais maintenant préparer un nid douillet pour y installer les champignons de tissu. Il y a beaucoup de blabla dans cet épisode, hein, où c'est moi qui ai l'impression qu'on récolte plus de messages audio que d'habitude. Alors, ça doit être ça. Patientez. Voilà, patientez. Composé antigène achevé. Retirez la capsule. Le combat pour essayer de survivre est admirable, mais sans espoir. Et pourtant, si vous continuez. Ah ouais? Que nous avons de l'avenir. Suis-je le seul à me rendre compte que notre espèce est morte il y a déjà bien longtemps? Pourquoi personne ne peut exister? Arrêtez. Arrêtez de combattre. Notre avenir, votre avenir, le futur de notre race mourante s'achève. Laissez-moi vous présenter notre prochaine étape, la suite de notre évolution. Notre plus beau cadeau. Mais je t'emmerde, toi, t'es un connard. C'est ça, casse-toi. Oh oh oh. Mais je peux pas bouger là. Ah putain. Allez, hop, c'est quoi cette merde? Hop. Hop. Ça c'est fait. Petit coup dans les genoux. Allez, allez. C'est ça ton plus beau cadeau, connard, regarde. Tac. Comment il mange. En faisant ta gueule. Oh 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 oh. Ah ouais non, ça c'est pas du jeu ça. Bah... D'accord. D'accord. Alors on se casse. Ah ouais non, ça, ça va pas le faire ça. Si on peut pas les tuer. Oh oh, il y a des trucs que j'entends. Oh putain, non, 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 allez, on se casse, on n'a pas le temps, 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 on n'a pas le temps. Allez, allez, foutez-moi la paix. De la stase, un petit peu de stase, vite fait, au passage. Putain, merde, je me prends dans les murs. Allez, 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 ça suit pas. Non, pour l'instant, ça va, mais on va tracer quand même. Je suis désolé, j'ai parlé pendant le message. Trouve un prélèvement ADN de cette chose. D'après les rapports du labo, il y a un échantillon en soins intensifs. On doit être tranquille là. Un certain docteur Mercer semblait faire des recherches poussées à ce sujet. J'ai essayé de joindre Aman, mais il y a trop d'interférences. Isaac, il faut faire vite. Ouais ouais, on va faire vite, on va faire vite. Ouais, on doit être à l'abri là. Donc ça, on va voir vite fait, on va récupérer. Qu'est-ce qu'on peut prendre? 4002, on a des munitions. Des munitions. Ouais, on a dit que de toute façon. En stocker. Allez, hop. Allez, on va tout miser de toute façon sur les munitions, celui-là.
La vie, on était à peu près on a le temps ou pas de sauvegarder. Bon, on va partir du principe qu'on n'a pas le temps. Ah, oh, encore lui. Jusqu'à votre dernier souffle, vous nous assurez. Putain, il n'y a rien. Vous pourriez être très fier de lui donner la vie en vous donnant la mort. C'est ça, ouais. Compte là-dessus. Ouais, et la marmotte. On connaît la suite. Allez, go. Par où faut y aller là? Allez, oublie-moi les portes là. Ah, voilà. Alors. Oh putain, alors voilà. Alors lui il passe par les conduits ou un truc comme ça. Donc ça va être casse-couille. Hop, il a des renforts. Alors, toi, hop, allez, allez, ça devrait être bon. Là, il y a des trucs, ah putain, il y en a un derrière. Bon, alors, merde, munitions, putain, allez. Ah, puis je vais être obligé de... Moi qui voulais économiser des munitions, on est mal barré. Toi, reprends ça. Il est fort, hein. Ah putain, ah non, deux avec l'autre con là. Allez. Ah putain. Ah là 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 là. Ah puis j'ai plus de stase, putain, j'ai plus de stase. Merde, on est mal là. On est mal. Ah putain. Prends ça, toi, crève, putain, crève. Allez, fais pas chier. L'autre il est où le trop con là. Ah puis il y a lui là. L'autre il a dû se relever là non depuis. Ouais pardon, il est derrière. Il est derrière. Ah putain, plus de stase. Alors, là-dedans il y a des trucs des fois. Ah putain. Ah non. Ah non les gars, non, c'est pas le moment. On a. Voilà. Toi tu bouges pas, reste là. Ah putain, avec le cutter c'est quand même mieux, putain. Allez. Ah ouais non, lui l'arme d'assaut faut vraiment qu'on la fasse évoluer parce que putain, j'irai pas jusqu'à dire qu'elle sert à rien, mais d'autant que c'est, allez, ouvre tes trucs là. Allez, ouvre tes trucs, voilà, c'est bien. Allez. Ouais, c'est celle-là où on a plus souvent beaucoup de munitions, donc c'est con qu'elle soit si peu efficace que ça. Sans déconner. Vas-y. C'est bon, t'assures toi, tu contournes les portes. Alors, on va essayer de voir s'il y a quand même... On va faire gaffe, mais est-ce qu'il y a des trucs à récupérer? Parce que ce serait le moment ou jamais d'avoir un petit coup de main à ce niveau-là. Il n'y a toujours rien. Il se barre ou quoi là? On dirait qu'il s'est barré. Non, il s'est pas barré l'enculé. Et hop, donc il restait un placard là-haut. Non, deux placards. Alors, hop, du fric, c'est toujours bon à prendre. Ça, ok. Il va falloir qu'on s'en serve un peu plus aussi de du trancheur. Je m'en sers pas trop parce que jusqu'à maintenant on n'avait pas trop de munitions dessus. Mais... Ah putain. Ah non. Hein. Allez, dégage. Ah, c'est quoi ça? Ouais, c'est bon. Ouais, je me servais pas trop du trancheur, mais là, il va falloir vraiment qu'on joue avec toutes les armes. De toute façon, à essayer d'avoir toujours un peu de munitions sur les deux parce que... Comme il y a, vous l'avez compris, hein, il y a des ennemis qui sont plus fragiles avec certaines armes qu'avec d'autres. Il va falloir maintenant qu'on commence à utiliser les armes adéquates. Jusqu'à maintenant, j'utilisais les armes que je préférais. Et il va falloir que maintenant, on utilise les armes les plus efficaces en fonction, à chaque fois, des saloperies qu'on a en face. Bon là, un petit peu de vie serait le bienvenu. Voilà,
ça c'est bon. On va attendre un peu. Ouais, parce que de toute façon on pourra pas en racheter tout de suite, mais là on était quand même mal. Donc, ah, il y a un truc là-haut. Donc ça, on va le prendre. Ça c'est pareil. Comme ça on gaspille moins de munitions. Et lui, voilà, c'est bon. Comme ça, c'est pareil, ça faut que je les exploite plus. Alors, c'est quoi ça? Ok, donc ça sera par là. Et on va aller voir ce qui se passe là-haut. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, j'ai eu peur pour rien. Alors. Bonjour madame, monsieur, madame, madame. Il y a un souci. C'est quoi le problème? Bon, on peut rien faire, c'est juste là pour. D'accord. Pleure pas, ça sert à rien ma chérie. T'es mal, là. Bouge ton cul parce que tu vas te faire bouffer dans pas longtemps toi. Ok. Elle est conne, elle doit être conne elle. On s'en fout, on n'est pas là pour ça. Alors. Que dalle. Il y a un truc de sauvegarde là à droite. On va en profiter. Allez. Voilà, on écrase comme d'hab. Alors. D'accord, on se croirait chez Hannibal Lecter. D'abord, Dr. Chalus Mercer. Le spécimen continue de réagir de façon favorable. La croissance de ses cellules ainsi que son élasticité sont étonnantes. Le Dr. Kine, j'en suis sûr, désapprouverait. Mais c'est le dernier de ses soucis. Le bon docteur est trop occupé avec le monolithe, comme si c'était important. Il a succombé à la même folie que celle qui a touché la colonie. Hier encore, il m'a dit avoir parlé à sa femme. Amelia Kine est morte depuis des années. Il grandit tellement vite. Patience. Ton heure approche. Très bientôt. Ils sont tous secoués là-dedans. Il n'y a pas photo. Hein. 7 ajouté au composé. Mélange final requis. C'est bon, Isaac. À présent, tu dois finir la préparation. J'en ai assez maintenant. Acceptez votre destin. Acceptez la fin des vôtres. T'es relou, toi. T'es relou, comme mec. Qui c'était, ce type ? Isaac, il a dépressurisé le pont tout entier et je n'ai plus du tout accès au système. Oh. Tout l'air a été évacué dans l'espace. Sans déconner. Tu peux relancer la production d'air depuis le poste de sécurité, mais tu n'as pas beaucoup de temps. Ah, d'accord, une petite saloperie. Allez, pète-toi, pète. Voilà, ça c'est bon. Il y avait de l'air là-haut, on va récupérer de l'air. Ah bah oui, bah elle est mourue maintenant, elle n'avait pas d'oxygène évidemment. Donc, j'avais dit de bouger son cul. Hein. Ah, vous êtes témoin, hein, j'avais dit. Hein. Alors, on va se manier un peu. Pareil, il faudra peut-être qu'on remette de l'air, enfin qu'on voit utiliser un point de force pour l'air aussi, mais c'est pas la. Ah putain, c'est pas la priorité, j'ai envie de dire. Allez, viens là, toi, approche, approche, voilà. Alors, elle te sauve pas comme ça, où tu vas? Oh oh, un autre. Alors, attends, alors, faut qu'on fasse gaffe parce que. Voilà, bouge pas, oh, putain. L'air, il s'en va, là, ils sont en train de me bloquer ces cons-là, et j'ai. L'autre il est là, là, allez, dégage. Allez. Putain! Ah, j'ai plus voir de balles là-dessus. Là. J'en avais déjà pas beaucoup. Allez, 35 secondes, c'est pas. On va aller finir avec ça. Ils veulent pas claquer. Hein. Ouais,
un peu de bol, ils auront de l'air sur eux. Sinon, normalement, il y a un truc d'air pas loin. Si je dis pas de conneries, il vaut mieux pas que j'en dise. Ouais, voilà, c'est ça. Allez, 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 pars-toi maintenant. Allez, plus vite. Oh putain, allez. Oh, il continue ce con, tu pouvais pas rester là-haut, putain. Allez, 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 avance, Isaac, avance, 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 avance. Je sais qu'elle est lourde ta combi, mais quand même, allez, allez. Il est où l'autre con là? Allez, on va faire une sauvegarde vite fait. Ah non, il est là le truc, je croyais qu'il était plus loin. Voilà. T'as tout ce qu'il faut pour fabriquer le poison. Maintenant, retourne au laboratoire. Ok, ok. Faites-le vite, je peux à peine respirer. Je perds votre signal, Amund. Je vais essayer une autre fréquence. Merde, je l'ai perdu. Je vais chercher avec le scanner. Va préparer le composé. Ça, on va vendre, ça, on va vendre. Et puis là, on va se blinder en munitions parce que kit de soins, nous en reste un. Et ouais, non, tout ça, ça sert à rien pour l'instant. Enfin, je n'ai pas le sentiment que ça m'aiderait beaucoup. Alors, les bastos. Quoi d'autre? Allez, on va prendre assaut et plasma. À fond les balles. Hop, et on va finir avec ça. Voilà. Là, normalement, voilà, 200, on a presque 300. Et puis, voilà, faut qu'on continue comme ça. Là, on va faire une petite sauvegarde. Bien sûr, on veut écraser. Alors... Hop, et c'est par là. Voilà, donc là on est bien à peu près. C'est quoi ça? Rien. Ok. Oh oh, ça fait peur toi, connasse. Alors, la stase. Des rapports disent qu'une énorme créature est entrée dans la salle des cultures depuis l'extérieur du vaisseau. Dès là que l'air a commencé à se dégrader. Les survivants l'ont appelé le Léviathan. Ah voilà, c'est ça le boss. C'est le Léviathan. Allez, 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 je m'en rappelle. Alors donc, il va falloir vraiment qu'on continue à faire du stock de munitions, parce que le Léviathan, vous allez voir, après ça, c'est quelque chose. Alors, bon, ça va péter le truc, là. Allez, voilà, c'est bon. Il est long ce truc-là, j'ai pas le timing en tête, parce que comme je m'en sers pas souvent... Il en reste, on prend ça, et là, hop, dégage. Hop, là, il n'y a plus rien. L'autre là-haut, on l'a refroidi tout à l'heure. Alors, on avait récupéré un point de force, on va l'utiliser maintenant, et on va avancer un petit peu l'arme d'assaut. Et on va se focaliser sur les deux points qui sont à venir, là, les dommages et la capacité. En espérant qu'on ait le temps avant que le Léviathan arrive, ce qui est franchement pas évident. Alors, c'est quoi ça? La bande son, elle est flippante, hein. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, à chaque fois que j'entends un espèce de petit truc, je suis sur le qui-vive. Alors, on va refoutre ça. Là, est-ce que voilà, c'est bon, ça on avait pris. Lui, il va bouger ou pas lui? Requête en cours. Patientez. On va se méfier. Mélange final achevé. Retirez la capsule. Bien sûr, madame. Allez. Ça c'est fait. Ça marchera. Retourne à la station de tram et va à la salle des cultures le plus vite possible. Retourne à la station de tram. Alors sois prudent. Ah bah j'avais même pas fait gaffe, ça fait largement plus de 20 minutes qu'on est... Je crois que je commence à admirer votre instinct de survie. Un peu fou, voire génial. Je crois que vous devriez voir le grand œuvre. Ne déclinez pas l'offre de la reine mère. Vous méritez de le voir au moins. Ouais, c'est ça, on va voir ça, la reine mère. Ouais, donc j'avais pas fait gaffe autant.
Et là, l'autre a dit retour à station de tram, donc le niveau serait déjà fini. Mais il est court celui-là. Ça me paraît bizarre, mais bon, on a débordé un peu, on va exceptionnellement pour celui-là, on va pousser un petit peu plus loin. Là, je vois une sauvegarde là-bas. Si on arrive assez vite à la station de métro, je me servirai de cet endroit-là pour vous dire au revoir. À la limite, je vous le dis tout de suite, comme ça, c'est fait. Donc, aux sauvegardes. Et rester quand même, on sait jamais, voilà, écrasé comme d'hab. Si on déborde un petit peu, quelques minutes, je pense que c'est pas super grave. Alors, okay. Alors, il y a encore l'autre taré, mais il est où? D'accord, on va le laisser baver et on va récupérer notre truc à récupérer. Là on récupère beaucoup de munitions, donc je pense qu'on devrait avoir un peu d'action. Encore une main. De toute façon, depuis tout à l'heure il cause et dès qu'il a fini de causer, on en prend plein les murs. Ah bah ben, revoilà l'autre. Ok, rebonjour. De toute façon, je vais toujours pas mourir, donc on va juste essayer de te semer comme d'hab. Tu vois, ouvre tes trucs. Oh putain, mais il y en a combien là? Non, les gars, là, faut pas me la jouer comme ça, là, j'aime pas ça. Hop, là. Allez, hop, t'as plus de gage. Tu vois, hop, là, la stage, on peut en abuser parce que. Allez, il y a un truc pour recharger là, voilà. On va aller faire le plein. De toute façon, c'est là pour. Alors, il en restait un ou deux. On va en rester qu'un, espèce de petit truc là. Donc, voilà. Non, il n'y en a plus. Ah, bah, je croyais qu'il en restait un machin là. Alors hop, toi tu dégages. Et hop. Ça c'est quoi ce truc? Alors on va aller. Où ça? Par là. Ah! Il y a un truc. Ah bah il était là lui, je savais bien qu'il en restait un. Hop là, allez. Allez. Ah merde, il y a l'autre derrière, putain. Arrête toi, fous-moi la paix deux secondes. Allez, toi, clac, clac. Mais... Allez. Voilà, ça c'est fait. Je récupère, toi reprends ça dans ta gueule. On va récupérer le point de force vite fait. Pardon. Ah, je me suis enrhumé, excusez-moi. Alors, hop, on va reprendre de la stase, de la vie, ça serait le bienvenu aussi, parce que là, on est vraiment mal barré. L'autre, il est toujours enfermé là-dedans. On peut pas le tuer et on peut pas se barrer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il est où? T'es où? Ah bah d'accord, ok. Hop, voilà, reste comme ça, il doit bien y avoir quelque chose quelque part. Il y a une console là-haut. Là c'est fermé. Chambre cryo, d'accord, ok. Donc lui il faut l'amener là-dedans. Et quand il sera dedans, il faut le cryo machin. Allez hop, allez, allez, cours, cours Forest. Allez, allez, t'as brûlé le pauvre, il avance pas. Allez, c'est bon, vas-y, 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 vas-y. Ah, c'est bon, on a pas le temps de sortir. Non, c'est bon. Alors. Solidification. Ah bah voilà. Transport du patient. Ah oui, il faut le soigner, mais parce que. C'est vrai que. Espérons seulement qu'on ne verra plus cette chose. Ouais, c'est ça. J'ai réussi à contourner le verrouillage de Mercer. Il y a une station de tram pas loin pour rejoindre la salle des cultures hors sol. Pourvu qu'on ait assez de temps. Bon, bah là, je pense que c'est le chemin doit être libre jusqu'au tram. Donc, ouais, bah. Ça doit faire à peu près une demi-heure, un truc comme ça, non?
Bon bah désolé pour que ça ait traîné un petit peu en longueur entre guillemets, mais en même temps c'était un niveau plus court que les autres, très clairement. Alors, ce serait bien qu'on retrouve un petit peu de vie. Enfin je dis ça mais en même temps on n'est pas encore arrivé. Mais... Bah si c'est le tram là-haut, ouais. Ah bah ouais mais on arrive direct au tram. Bon bah on va rentrer dans le tram complètement en vrac. Donc bah là bah, c'est là ce coup-ci que je vous dis au revoir. Que je vous dis que si vous avez aimé comme d'habitude vous likez, vous partagez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis petite surprise, bah, je vous en parlerai dans le prochain épisode. Allez, au revoir, à bientôt.